Alors bonjour à tous, c'est Ecocris et on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette carrière à, j'allais dire e-sport, non, à Football Manager. Donc voilà. Match retour contre Nordland. Si vous y croyez à la qualification, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je n'y crois pas. Fallait pas changer, bah fallait pas changer, j'étais à 6 sur 12. Et ça tournait pas bien non plus, donc presser Antiki-Taka, on presse pas Antiki-Taka. Après 1-0, ouais, on a réussi à se qualifier en ayant perdu 4-1 contre le Slavia Prague, donc c'est clair qu'un 0 c'est pas grand chose, mais non, je n'y crois pas. Voilà. Ouf. Voilà. Et voilà déjà le premier. Ouf. Bah c'est un tiki-taka, tout simple. Enfin, là je peux pas te montrer parce qu'on est en plein match, mais. Tiki-Taka en 4-2-2-2. C'est pour Torgan ça. Oh, sur la latte, enfin le poteau. Presse pas en tiki-taka. Attends, je te montrerai tout à l'heure. Sordella là est nulle part. Allez, en colère. Ça changera rien parce qu'ils s'en battent les couilles. Allez, Chaloff. Flips! Merci Smichel qui nous offre un but. Même si bon. Je maintiens que c'est pas vraiment Smichel qui le met contre son camp quand la balle rebondit sur le poteau et vient sur son dos. Donc. C'est pas vraiment un autogol, hein, mais. Bon. Merci Casper. Chaloff! Bah, maîtriser l'équipe, voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. La domination est claire, hein, mais. Bien, Kylian. Flips, Chaloff qui perd le ballon connement. Où ça penalty? Mais où ça penalty? Allez. Goal Flips! Bien joué, fait Alexis! Et là, il n'y a pas faute sur lui. Ben, ça sert à rien d'assurer le but, hein. Parce que ça va en prolongation, mais plus maintenant! Hors jeu.
hors jeu. Bah, il reste 10 minutes, mais on est en prolongation. Hein. Donc ça sert à rien. Oh, il y avait clairement hors jeu. Ah, c'est match aller, match retour, donc là c'est 2-2. Ah, Dolberg qui a failli crucifier son pays, l'équipe de son pays. Le Schmeichel qui sort. Donc voilà, prolongation. Faire des remplacements à un moment ou l'autre. Bon, on va déjà mettre. Ah, j'ai pas mis Kobo. Fuck, je voulais remplacer Ndiaye, mais j'ai pas mis Kobo. Oh, quel con. Ah! Tongen, Diawara, Solsager. Ouah, carte rouge ça. Bah oui. Il faut jouer plus offensif. Ils sont à 10 contre 11 là. Olberg Hazard, Tongen, comment tu peux rater? Oh, Bélis, bah oui, un ancien chez nous. Allez, Thorgan. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais... J'hésite à faire des remplacements. Hein. Enfin, faut déjà mettre. C'est des joueurs plutôt défensifs. Et... Donne un peu du frais. Allez les gars, 23 tirs à 10 quoi, 23 tirs et on n'arrive pas à la mettre au fond quoi. Bon, ça va aller au penalty. Allez les gars. Eric, poteau, c'est pas vrai! Est-ce que j'ai des bons tireurs de penalty? 10, non. Raman, penalty 13. Attends. Hazard, penalty, il est bon à hein, lui. 13, ok. Bah, on va remplacer lui. Parce qu'Aaron aussi est bon au penalty. 14. Philippe, ça combien en penalty? 11, ok. Parce qu'Aaron va remplacer. Voilà. Voilà, penalty. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Tain, il a pas pris en compte mes remplacements. Mais allez, j'ai... Oh, putain. Ah non, le jeu qui me fait pas mes remplacements. C'est pas vrai. Machel, il a l'habitude hein, des pénalties contre nous. Hein. Putain. Bah ouais, mais...
Koulibaly. Mais c'est un ancien de la Belgique, ça. Ah non, la source. Oui, Dupé. Bien joué, Maxime. Allez, Matt. Allez, Matt. Yes. C'est qui maintenant? C'est Torgan. Allez, Torgan. Allez, Max. Allez, Max. Oui! Oui! Nous sommes qualifiés! On l'a fait! On l'a fait! C'est totalement mérité! Allez, on se retrouve pour jouer contre Dender. Mais la moitié de mes joueurs sont fatigués. Et pour ce qui concerne l'Europa League. Tac, tac, tac. Où est-ce que c'est? Calendrier, voilà. Molde, AJK, je sais pas ce que c'est. Werder Brême, Copenhague, Vigo, Celta Vigo, Vikingur, Ludogorets, on les connaît bien. Et le Sporting Portugal. Ça va pas être évident. Je vais être honnête, ça ne va pas être évident. Mais nous allons faire le maximum. Et donc là, j'ai dû faire quelques remplacements parce que mes joueurs sont tous fatigués. Ça a été un long match. Maintenant, c'est Dender. Il faut prendre les 3 points. Espérons. Dender n'est pas non plus sur une bonne série. 3 points sur 15. Nous sommes à 6 sur 15, nous. C'est pas beaucoup mieux. Victoire ici nous permettrait de remonter un tant soit peu. J'aimerais bien couper mon GSM mais je peux pas. Le mode silencieux fonctionne pas. Donc à part le couper ou mettre le mode avion, mais s'il y a une urgence. Voilà. Ça commence bien, Dender est déjà en maître du match. Beau peine. Ouf. Je pense pas qu'il y ait penalty. Non, c'est bien ce qui me semblait. Ah bon, la carte jaune par contre. Kobo. Ah, Elias. On va voir vers Matriz. Matriz vers Francis Amoudzou. Amoudzou vers Diawara qui revient vers Christensen. Diawara, bonne ouverture vers Sardella. Sardella, Diawara, Flips. Flips, Diawara. On temporise. Ouah, on a failli perdre le ballon. Vasquez. Chalov qui ouvre bien vers Alexis. Flips, poteau. Oh, la balle est déviée par le gardien, le poteau. Petit à petit, domination dans ce match. Possession, elle est pour nous. Clairement. Maintenant, il faut marquer ce premier but. Je veux dire que je suis content, il domine le match. Donc, il manque juste le petit but. Kylian. Kylian qui garde le ballon. Diawara vers Christensen. Sardella, Flips. Christensen revient vers Vertonghen. Diawara, Chalov. On a le ballon, mais on passe pas la ligne médiane. Vasquez, Flips, bien joué pour Francis. Allez, Siske. Siske. Ouf. Penalty. Ce serait le deuxième penalty non sifflé, entre guillemets. Il y a penalty.
C'est pour Chaloff. Qui la met au fond. Voilà. On commence cette deuxième mi-temps sous les meilleurs auspices. Maintenant, il faut continuer, maintenir le pressing et marquer un deuxième but. Faire descendre Vertonghen, Flips. Il tirait directement. Quel arrêt du gardien. C'est collé. Contre-attaque. Ferraro, mais mon joueur revient bien. Bien ça. Bien joué Vertonghen, mauvais dégagement. Faire quelques remplacements, j'ai les joueurs qui sont HS. Christensen. Flips, bien joué, Chaloff, Sardella. Sardella peut-il centrer vers Vasquez? C'est goal! Francisque! Sisque! 2-0, enfin 0-2. Alors, voyons un petit peu. Diawara est mort, on va faire monter Marco. Sardella est HS, on va faire monter Patrice. Chaloff est mort, on va faire monter Dolberg, histoire de... On va laisser ça comme ça pour l'instant. What, tu m'as fait peur. Allez, Elias. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Christensen, c'est de ta faute, hein. Va vers la balle. On est déjà en... À jouer en full défensif, c'est pas Anderlecht ça. On va se blesser. Nada. Et alors, on va faire monter Thorgan. Il s'est joué à droite Thorgan. Il s'est joué à droite Thorgan. Parfait. Tu seras également ailier. On va encaisser le 2-2 ici. Ouh. Qu'est-ce qui nous a sorti du P? Et une victoire. 3 points dans la besace. Allez. Nous prenons. Voilà, on se retrouve après la fin du mercato. Pas de dernier transfert. Pas d'arrivée surprise. Je suis content avec l'équipe que j'ai, même si les résultats sont en dents de scie. Et nous allons avoir le premier classico de la saison. Nous recevons, si je ne m'abuse pas, le Strondard. Avec un seul objectif, évidemment, les 3 points. En espérant que notre public nous pourra... Oula. 2 points sur 15 pour le Standard. Ah bah oui, il y avait aussi, ils ont joué en Coupe d'Europe aussi. Bah ils ont sûrement été éliminés. Si on nous gagne, nous remontons 6e au classement. Mauvaise passe, Sardella, c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Thorgan. Aloni. Dreyer qui revient de blessure. Thorgan. Et Thorgan ouvre le score après 5 minutes de jeu. 1-0 face à Rochette.
Allez, come on, you move. Est-ce que la stratégie du tiki-taka commence à être prise par les mauves? On peut l'espérer. Aïe 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 aïe, bon, évidemment. Ils se sont crus trop beaux trop vite. Ça n'aura pas pris longtemps. Si je me concentre, c'est pas moi qui joue. Aïe, Sardella Verdi Awara. Théo qui perd le ballon. Awara. C'est en plein match, je sais pas faire grand chose. Hein. Là, moi, je peux faire ça. Féliciter, concentrer, demander plus, motiver. Et quand tu motives, ben, il t'engueule. Donc, voilà. Sardella, ou Torgan. Théo, Torgan qui sent. Dreyer, c'est goal. 2-1. Bien coupé de la part d'Underdryer. Ah bah, Dreyer avait donné un assist à Hazard et inversement. C'est 1-2, c'est à la 30e, je vais pas leur demander de gagner du temps. Bon, je peux les féliciter, ça ils aiment bien. Allez, comme ça, ils sont contents. Faut continuer, les gars. Dreyer et Hazard sont à la baguette. Ouh là là. Ouf. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais c'était chaud. Chalov est nulle part, on va le faire descendre pour mettre Raman. On va inverser comme ça, Raman. On peut presser offensivement, j'aurais peut-être dû mettre Vasquez. Tant pis. Je vais attendre, Hazard est un peu fatigué, mais comme il est très bon, c'est pas le moment de le remplacer. Ndiaye est nulle part. On va mettre Sardella de son côté pour mettre Patrice à droite. Voilà. Ritz va remplacer Théo. Et on va faire descendre Torgan. Bien, Maxime. Bonne sortie, ça. J'aurais pas dégagé le ballon comme ça, mais... Alors, gagnons du temps. Ah, c'est ce que je demande, t'inquiète. C'est ce que j'ai demandé à mon club. Et c'est une victoire dans ce classico! Et là, je peux le dire, je suis ravi. On se retrouve pour le match, le premier match en Europa League. Nous nous retrouvons pour ce dernier match face à Molde. Aucun remplacement dans mon équipe type. Mais bon, il est temps que les joueurs commencent à se réhabituer à jouer ensemble. Sardella et Dreyer, pourtant, ils ont joué souvent ensemble, mais là, ils ont tout perdu. Léonie avec Diawara, non. Vertonghen, Slot, Sager, bah non, évidemment. Donc voilà, il faut que les automatismes se créent.
Est-ce qu'il y a un joueur que nous connaîtrions à Molde? Équipe norvégienne, si je ne m'abuse pas. Donc équipe à notre portée, vu que nous avions éliminé l'équipe danoise, là, ce nord de... Blablabla. Désolé, je sais toujours pas le prononcer. Équipe de Schmeichel et de Bélis. Les droits d'auteur. Ma vidéo ne pourra pas être regardée en Russie. Vertonghen pour le coup franc du milieu de terrain, bien ouvert vers Thorgan Hazard. Thorgan Hazard fonce et but! Premier but de la compétition officielle dans ces phases de poule. Enfin, on va encore appeler ça des phases de poule dans ce mini-championnat. Thorgan est vraiment on fire depuis le début de saison là. Son 10e but, compétition confondue. Thorgan est vraiment mon homme. On va avoir du mal à le garder à mon avis. Et sur un assist de Vertonghen en plus, ça c'est pas courant. Mais ça arrive, comme l'assist qu'il a donné à Vasquez face au RWDM. Mi-temps, pas vraiment eu d'autres occasions. Il faut continuer sur ce rythme. Ne pas se laisser déconcentrer. Prendre les 3 points à l'extérieur est une très bonne chose. Enfin, serait une très bonne chose. Le match n'est pas encore fini. Vertonghen, qu'est-ce qu'il fait aussi haut? Dolberg revient bien vers Thorgan. Thorgan. Thorgan centre, dévié. Chaloff qui n'a plus marqué depuis un moment. Chaloff et Dolberg non plus d'ailleurs, il me semble. Sardella revient bien vers Léonie. Diawara. Sardella peut-il passer son homme? Il centre vers Thorgan. Non, Casper, voilà. Je le disais justement que Casper ne marquait plus. Il m'a entendu et il m'a répondu sur le terrain. 0 à 2. Paf. Pourtant, on dirait plutôt que c'est hasard, hein, mais... Ne boudons pas notre plaisir. Ouh, j'ai cru qu'il y avait un penalty là. Belle ouverture vers Dreyer. Dreyer peut-il passer? Oui, Dreyer, son épopée formidable, il aurait dû passer pour le 0-3. Il a voulu être égoïste. 6-4, Dreyer. Ah, j'ai pas mis Flips sur le banc. Merde. Pas grave, je pourrais faire monter Verskaren, même si... Ah, je pourrais inverser Tazar avec... avec Flips, avec... Ouf! Je pourrais inverser Hazard avec Dreyer au pire. Dreyer n'est pas bon. Léonie non plus, ouais, écoutez. Est-ce que Amuzu peut jouer à droite? Amuzu pourrait jouer à droite, mais il est pas top. Ailier. Ailleurs était lié intérieur? Ah ouais, autant pour moi. Et on va remplacer Léonie par Mats Ritz. On va féliciter mes joueurs parce qu'ils aiment ça. Kylian Sardella a l'air fatigué. On peut le remplacer, ça ne me pose aucun souci. Voilà. Il n'y a que Chaloff encore qui n'est pas top. On va le remplacer tout de suite. Tac, tac. Vasquez. En attaquant pivot. Voilà. Et j'ai encore droit à un remplacement. Schlotzager est fatigué, on va faire monter Christensen. Chaloff, Chaloff, j'ai peur qu'il perde le ballon, Patrice, Dolberg. Dolberg passe son défenseur. Il revient vers Patrice, bien à la place de Amuzu, Chaloff, non. Contré, mais
On garde le ballon, Ndiaye. Ndiaye pour Chaloff. Oh, à côté, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru. Et ça va être une victoire en Europa League. Si on pouvait garder le 0, je serais l'homme le plus heureux de la Terre. Et si on peut en marquer un troisième, je serais encore plus heureux. Ouh, Famoussou, pourquoi t'as pas donné ta balle? Patrice intercepte, Patrice monte vers Vasquez, et voilà le troisième! Luis Vasquez, non! Y a-t-il hors-jeu? Il n'y a pas hors-jeu, Vasquez marque enfin! 3-0, ici à Mold! Come on, you move! Come on, you move! Magnifique victoire, mauvais blanche! Allez, et Vasquez qui retrouve enfin les filets. Eh bien, c'est sur cette magnifique victoire que nous allons nous quitter. Oh, Nice, l'ancien club de Dolberg. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un peu plus motivé cette fois que par rapport aux deux dernières. Mais elle a bien commencé et elle a bien terminé. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!